New Shoes à Canouette. Alors maintenant, encore un clin d'œil au cinéma, un film qui est déjà sorti, mais qu'il faut aider, car c'est le premier film du metteur en scène, acteur Francis Huster. Il est venu avec la partenaire de ce film, qui s'appelle Isabelle Nanty. On a volé Charlie Spencer, c'est le titre du film. C'est un titre un peu mystérieux, mais Charlie Spencer, c'était le vrai nom de Charlie Chaplin. Mais Francis Huster va nous en dire beaucoup plus. Alors, Isabelle Nanty, qui est la révélation de ce film, et Francis Huster. Voilà, le film est déjà sorti, mais on voulait en parler parce que c'est une grande aventure pour vous, mon cher Francis. Vous savez combien l'équipe de Champs-Élysées vous aime et vous soutient. Merci. Alors d'abord, soyons galants, présentez-nous cette charmante personne. Tout ce que je sais, parce qu'elle me l'a dit à la répétition, c'est que vous l'avez connue au cours Florent, éminent professeur Francis Huster au cours Florent, et qu'elle est de Bar-le-Duc. Elle est de Bar-le-Duc et sa maman est norvégienne, son papa est français. Norvégienne de Bar-le-Duc, c'est norvégienne de Bar-le-Duc. Et elle faisait partie de la classe libre au cours Florent. Et elle sait tout faire. Elle sait parler russe, allemand, norvégien, anglais, français. Elle sait faire des claquettes. Et puis elle sait surtout à la fois faire rire et faire pleurer. Et j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que ce qu'elle a fait pour son premier grand rôle est vraiment extraordinaire. Parlez-nous de votre rôle dans Charlie Spencer. Bah d'abord, je voudrais dire que je remercie Francis de tout ce qu'il dit de moi et que c'est partagé. J'ai beaucoup d'admiration pour lui aussi et je le remercie de m'avoir fait ce cadeau, ce beau rôle. Alors voilà. Ce rôle, parlez-moi de ce rôle. Bah c'est un personnage très très simple qui réfléchit pas beaucoup et qui aime et qui veut être aimé et c'est sa seule défense. Elle a pas d'autre défense, alors voilà, elle est là et elle veut qu'on l'accepte comme elle est. Et voilà, c'est très simple. Bien. Alors, Charlie Spencer, j'ai parlé de Chaplin. En réalité, vous avez toujours dit que le théâtre, c'est votre vie, mais que le cinéma, c'est votre rêve. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, le film est un film qui est très bizarre, complètement fou, qui a eu la chance de rencontrer deux jeunes producteurs, Patricia Nova et Pierre Nova, et M. Denis Château, qui est un distributeur très important en France, qui a aidé beaucoup de films, qui a réussi cette année vraiment un coup de poker extraordinaire avec le film de Léos Carax, Mauvais sang, qui a remporté le prix de Luc, et puis Au nom de la rose. Et grâce à eux, on a pu faire un film qui raconte donc l'histoire d'un employé de banque, et ça part comme une comédie à l'américaine. Avec, et qui voudrait que sa vie soit un rêve, enfin voilà. Qui rêve sa vie. Quoi. Alors il rêve sa vie, il rencontre une star très belle, magnifique, qui est interprétée par Béatrice Dalle. Et au fur et à mesure du film, il se rend compte que finalement, la petite blonde aux yeux bleus, qui représente la vie, qui est déchirante et émouvante, va le tirer, va le ramener à la réalité. Alors, hommage à tous les grands du cinéma, à toute la mythologie, à tous ceux que vous avez aimés, hommage à Carnet, hommage à Hollywood, hommage à Chaplin, hommage à Woody Allen. À Woody Allen, à Hitchcock, à Wells, et puis aussi hommage au cinéma français, avec tout un passage qui a été tourné comme l'Hôtel du Nord, avec Jean-Pierre Aumont, qui retrouve la chambre dans laquelle il essayait de... Atmosphère, c'est atmosphère. Ça. Il y a aussi un hommage avec des jeunes comédiens, évidemment, dont on ne connaît pas les noms, Rodriguez, Brio, voilà. Charmetant, Duléry. On a volé Charlie Spencer, c'est un film qu'on verra bientôt sur Antenne 2, puisque Antenne 2 est coproducteur de ce film, je crois. Oui, merci. Il faut aussi le préciser. Bon, vos projets, mon cher Francis. Eh bien, les projets, je suis tout rouge en le disant parce que c'est un grand projet. Vous savez que l'année dernière, nous avons eu la chance de faire le CID à la compagnie Renaud Barreau. Mmh. Et Madeleine Renaud et Jean-Louis Barreau, qui jouent en ce moment les salons et le théâtre de foire, nous ont proposé là, il y a quelques heures même, de faire un nouveau spectacle cette année. Donc, au théâtre du Rond-Point, à partir du 2 mars, ce sera Richard III. Avec toute la troupe de la compagnie Renaud Barreau et Isabelle, qui commencera d'ailleurs ses premiers pas très bien. Sur Attendez, scène. Je vais faire le tour, car je voudrais que Françoise Boulin, c'est pas prévu, fasse un gros plan sur cette cravate. Pour vous montrer à quel point le théâtre compte dans la vie de Francis Huster, il est habité par le théâtre, je voudrais qu'on regarde cette cravate. C'était pas prévu, alors ça désarçonne un petit peu. Il y a une portable de libre là. Françoise, regarde cette cravate en gros plan. Qu'est-ce qu'on lit sur cette cravate? Regardez. Michel Drucker. Écoutez, pour vous montrer si le théâtre est sa folie, Shakespeare, Tchekhov, Shaw, Molière, Ibsen, tous les grands du théâtre. C'est une cravate que vous avez fait spécialement, ça? Non, c'est comme un... ça. Tiens, Françoise, regarde cette cravate. C'est un cadeau que m'a fait François Florent, qui m'a ramené ça des États-Unis. Voilà. Et c'est un porte-bonheur.
Voilà, Tchekhov et les autres, ça veut dire que Francis vit avec le théâtre continuellement, car le théâtre, c'est sa vie. Merci beaucoup, je vous souhaite une longue carrière. C'est un bon professeur, puisque vous l'avez eu comme professeur au cours Florent. Extraordinaire. C'est un extraordinaire professeur. Mmh. Vous savez que vous faites beaucoup de jalouse. Pourquoi ? Parce que le nombre de comédiennes qui voudraient tourner et être dirigées par Huster, vous en avez, il y en a beaucoup. Eh bien, je leur souhaite un jour que ça leur arrive. Bien. Bon, alors maintenant, je ne sais pas sur quelle caméra, on va retourner à un Québécois, un Canadien qui est un petit peu angoissé. C'est sa première apparition en France et à la télévision. Mandeville, il va nous chanter « L'été, c'est par là ». Très bien, merci. Vous savez à quel point le Québec est important dans notre vie. Nous avons réalisé cette émission il y a 3 semaines, nous y retournerons un jour. Et là, nous aurons l'occasion de le voir sur cette aire que nous connaissons bien maintenant, peut-être du côté du Château Frontenac ou de la rue du Petit Champlain. Mandeville, c'est lui.